Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, cette semaine nous allons réaliser un cabillaud avec des endives bio et une crème au kirsch de la Marsotte et lentilles vertes. Pour réaliser cette recette, j'ai invité Yves Calvi qui est le président des coopératives des kirsch de la Marsotte à Moutier-Haute-Pierre. Je m'appelle Yves Calvi, donc je suis président de la coopérative de la Marsotte à Moutier-Haute-Pierre, une coopérative qui fabrique un kirsch depuis plus d'un siècle. Notre kirsch est tiré à 50 degrés. C'est très important car il passe beaucoup en cuisine. Et à 50 degrés, on garde tous les arômes du fruit et c'est très important. Si vous voulez trouver notre kirsch, donc il est en vente dans le village, dans les épiceries fines sur Besançon, un peu partout, et autrement à la maison, donc en téléphonant au 03 81 60 23 05. Pour réaliser cette recette, il vous faut des dos de cabillaud, des endives bio, des carottes bio, du citron bio, des lentilles vertes du puits, des branches de romarin, de l'huile d'olive, du miel, de l'eau, de la crème épaisse fermière, du kirsch de la Marsotte, du sel et du poivre du moulin. Pour réaliser cette recette, vous allez commencer par cuire vos lentilles vertes. Vous pouvez le faire tout à fait la veille et les mettre à refroidir au réfrigérateur. Lavez et frottez la peau de la carotte, la taillez en fines brunoises. Lavez et enlevez le cône à l'extrémité des endives, ainsi que les premières feuilles si besoin. Les coupez en deux dans la longueur. Dans un peu d'huile d'olive, déposez les endives sur la face bombée. Laissez cuire 5 minutes à feu vif, puis ajoutez la brunoise de carotte, le zeste râpé du citron. Les retourner, puis mouiller avec l'eau, ajouter le miel, un peu de sel et cuire à couvert durant 15 minutes environ. Au terme de la cuisson, elles doivent être fondantes. Préchauffez le four à 180 degrés, glissez au cœur des cabillauds une branche de romarin. Les déposer entre deux feuilles de papier cuisson préalablement huilées et mettre à cuire 7 à 8 minutes environ. Tiédir la crème, ajouter le kirsch et les lentilles vertes, assaisonner de sel et de poivre. Comment dresser ? Déposez les endives dans les assiettes chaudes, ajoutez le cabillaud, puis nappez de crème au kirsch de la Marsotte. Le petit conseil du chef, vous devez faire très attention à la cuisson du cabillaud, il doit sortir du four nacré et souple sous vos doigts. Le livre que je vous recommande cette semaine, L'endive
délicieuse et savoureuse de Sophie Valoton des éditions Cabedita. Vous saurez tout sur l'endive, considérée dans cet ouvrage comme une diva, avec des recettes très abordables et créatives qui permettent d'explorer la saveur de cette salade d'hiver, tant crue que cuite.